À la maison, à l'école et jusque dans leur lit, les ados sont scotchés à leur portable et pourtant près de la moitié des parents ne savent absolument pas ce que font leurs enfants sur leur téléphone. En clair, ils sont complètement largués. Donc que font les 10-18 ans avec leurs écrans? Deux journalistes de l'Obs ont décidé de mener une enquête et se pencher sur le phénomène. Ils sont avec nous ce matin au Figaro. On est ravis de se voir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être ici. Vous signez tous les deux cette enquête réalisée auprès d'un panel d'adolescents et de professionnels que vous avez intitulé « Portable, la face cachée des ados ». Je vais juste vous présenter l'un et l'autre. Céline Cabour, pour ce qui vous concerne, vous êtes rédactrice en chef des pages Tendances chez nos confrères de l'Obs. Vous êtes par ailleurs la mère de deux ados, donc vous avez eu tout le loisir d'observer leur comportement addictif à leur téléphone. Boris Mananti, vous êtes chef de la rubrique high-tech de l'Obs, dans laquelle vous décryptez tous les usages des nouvelles technologies du numérique et de la culture web. Exactement. Ma première question, Céline Cabour, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui en France, sans raconter n'importe quoi, que tous les adolescents ont un portable ? Oui, quasiment tous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 93% de cette génération qui possède un portable. Ils en ont tous, ils en ont de plus en plus jeunes, ils en ont dès le CM2, ils en ont dans tous les milieux sociaux. Et pour l'essentiel, ce sont des smartphones, pas pour tous. Qui permet de se connecter, de naviguer sur Internet, sur l'ensemble. Certains parents résistent, mais se posent des questions. Est-ce que mon enfant va être moqué? Est-ce que mon enfant va être pointé du doigt? Oui, aujourd'hui, dans les classes, tous les enfants ont des portables. Le sous-titre de votre enquête à l'intérieur du livre, c'est « Le livre qui vous donne les codes ». Vous avez senti qu'il était absolument indispensable de sauver les parents, de venir à leur secours, que les parents sont à ce point démunis face à leurs enfants, qu'il faille leur donner des conseils. Oui, c'est toujours cette question. Qu'est-ce que fait mon ado sur son portable toute la journée? On a l'impression qu'il est tout le temps le nez penché sur ce petit écran. Il y a eu plusieurs études qui montraient que la moitié des parents sont un peu perdus, ont du mal à évaluer le temps passé, ont du mal à évaluer ce qu'ils font réellement dessus. Les réseaux sociaux bougent très vite. Facebook n'est plus le réseau social star chez les ados. Maintenant, c'est beaucoup plus Snapchat. Oui. Qui est devenu l'incontournable. Et ça, c'est vrai que les parents, parfois, en sont un peu déconnectés. Alors, pour certains parents, pourtant, vous, comme ceux qui nous regardent, on est nous-mêmes complètement accros à nos smartphones et on maîtrise certaines applications. Alors, comment se fait-il qu'on soit à ce point déconnecté et complètement largué par rapport à ce que font nos enfants ? Boris a commencé à répondre à la question. C'est vrai que si on prend une appli comme Snapchat, c'est volontairement qu'ils y vont. Et pourquoi ils y vont? C'est parce que, aussi bien cérébralement que dans l'ergonomie de l'application, on n'est pas formé pour pouvoir s'en servir assez facilement. Ils le savent, ils prennent des pseudos pour discuter en paix. Les choses vont très vite. Il y a une chose, quand on a écrit ce livre, qui était un peu un postulat de départ, c'est que ce livre serait périmé quasiment au moment de sa sortie. Et ce qu'il fallait retenir, c'est non pas en faire un guide des applis qu'ils utilisaient, mais vraiment des pratiques sociologiques qui s'en dégageaient. Et je pense que c'est pour ça aussi que le temps passe vite et que il est temps de rattraper les wagons, on va dire, pour ce qui concerne nos rapports avec nos enfants. Oui, on aurait pu comprendre un peu que comment ça marche. Voilà, c'est ça. On aurait pu penser que c'était par le langage, mais c'est pas tant par le langage, parce qu'il y a quelques acronymes qu'on a pu lister, mais c'est vraiment sur cette rapidité de l'évolution des applications. Cette rapidité aussi et le panel d'applications auxquelles ils sont amenés avec lesquelles ils sont amenés à jouer, on va dire. Votre ouvrage d'ailleurs décrypte très bien la multiplicité des usages qu'ils font de leur portable. Elles sont telles d'ailleurs que le pédopsychiatre Stéphane Clerget, que vous avez rencontré, compare le smartphone non pas juste à un simple objet de la vie courante, mais carrément à une immense agora, un immense lieu de vie. Boris, c'est bien là tout le principe de ce smartphone, c'est avant tout, c'est se connecter aux autres, c'est discuter, échanger avec ses pairs, avec les autres adolescents. Et cette discussion, elle passe d'une appli à l'autre sans aucun souci. On va envoyer quelques photos du quotidien sur Snapchat, une photo un peu plus posée sur Instagram, puis aller chatter sur Messenger. Il y a une espèce de gymnastique comme ça, mais qui est toujours dans la connexion aux autres, dans la discussion.
Et qui permet aussi de draguer, qui permet de s'informer, de créer toujours le lien. C'est l'adolescence quand même. D'aller regarder des vidéos, d'aller jouer aux jeux vidéo. Tout est, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que dans leur tête, tout est organisé. Il y a une espèce de méthodologie très marquée des différents usages. En fonction de l'heure du jour. Bah, c'est ça. Sur Messenger, ils créent des groupes pour les devoirs et pour faire des exposés. Donc Messenger, c'est un peu l'école. Facebook, c'est une sorte de... d'écran institutionnel, un peu télé, un peu lien. Sur Snapchat, Instagram, par exemple. Instagram, c'est une espèce de monde bisounours dans lequel on se crée la vie la plus marrante et la plus idéalisée aussi. Mais c'est ça. Oui, c'est le plus posé. Mais ce que font les adultes. C'est-à-dire que, voilà, un adulte qui poste sa photo sur Instagram et qui dit qu'il est allé à un vernissage, et ben un gamin, il va dans la cour faire un selfie avec sa copine. La mieux habillée possible, la mieux maquillée possible, une espèce de monde idéalisé. Et Snapchat, c'est le lieu du jeu, du divertissement. C'est-à-dire que l'éphémère aussi, le principe, c'est que tout disparaît, voilà. Qu'on recommence sans arrêt. On joue avec les filtres, on se transforme. Et puis les stories qui permettent de faire un résumé de sa journée auprès de ses amis. On le disait en intro, le postulat de départ, c'était qu'ils y passent du temps, du matin jusqu'au soir, jusqu'au coucher, voire toute la nuit. Comment on explique cette addiction au portable ? Est-ce que c'est un besoin de tuer l'ennui permanent ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nos ados ne prennent plus le temps de s'ennuyer ? Ça, c'est compliqué de répondre à cette question, puisque c'est une pratique qui s'observe aussi chez les adultes. Après, c'est vrai que l'ennui, où avant, on envoyait son adolescent, il était puni, il est dans sa chambre, pour réfléchir à ce qu'il avait fait quand il fait une bêtise. Maintenant, c'est sûr qu'il va aller sur son portable. Le soir, quand il a du mal à s'endormir, il va regarder son portable. Mais ça peut être à l'arrêt du bus, en attendant son train. Ça peut être tous les temps morts. Tous les temps morts sont occupés par des mini-jeux, des petites vidéos, rafraîchir les réseaux sociaux, poster quelque chose. Mais du coup, vous mettez en avant aussi que ça peut interférer dans la capacité à faire travailler son imagination, par exemple. Ça, c'est le volet négatif. Après, je me souviens de cette phrase d'une psy qui nous disait, mais en fait, vous m'interrogez sur l'ennui, mais qui a envie de s'ennuyer, en fait, fondamentalement ? C'est-à-dire que, oui, ils ont l'outil pour tuer cet ennui que nous, on passait dans notre chambre à vaguement écouter de la musique, quand on avait de la chance d'avoir la télé dans le salon, à regarder des séries. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont ni écervelés, ni... c'est pas une génération à part et complètement nouvelle. Ils ont les mêmes pratiques. Plus superficielles. Surtout pas plus superficielles. Ils sont beaucoup plus malins. Et beaucoup plus rusé et beaucoup plus astucieux. D'ailleurs, vous dites que par rapport aux selfies en particulier, il ne faut pas juste y voir une espèce de démarche narcissique. Non, derrière, il y a toujours l'envie de créer de la communication, d'interférer avec autrui et d'écrire. Mais avec un mode vidéo ou un mode image. Le selfie, c'est vraiment s'ancrer dans une situation, la partager, susciter la communication. Et c'est de l'image conversationnelle, en quelque sorte, qu'on retouche, qu'on améliore. C'est vraiment pour susciter une discussion, une conversation, plus qu'une démarche purement narcissique. Il y a une part quand même de narration par l'écrit. C'est-à-dire qu'on a pensé, notamment avec l'apparition de ces applis que sont Instagram et Snapchat, qu'ils n'utilisaient que l'image et ils ne se racontaient que par l'image. Mais vraiment, du matin jusqu'au soir, c'est ce qu'on montre assez largement dans la deuxième partie du livre, ils se racontent en se faisant dans leur quotidien, mais aussi beaucoup par l'écrit. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie à s'envoyer des messages et chaque photo est habillée d'un bandeau narratif. L'écrit revient en force. Alors, c'est peut-être pas l'écrit littéraire. C'est plus succinct que ce qu'on faisait avant, oui. Mais c'est pas truffé de fautes d'orthographe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a une forme d'écrit qui réapparaît et une forme de narration. Et moi, je trouve même qu'il y a une petite revanche de l'écrit, en fait. Alors, si on revient au rapport entre ces ados et leurs parents, il y a quand même un paradoxe surprenant que vous mettez en avant dans cette enquête, c'est que les ados sont de plus en plus accros à leur portable et en parallèle, ils ont de moins en moins souvent de rapports téléphoniques avec leur téléphone, avec leurs parents. On va dire qu'en clair, les parents appellent et les ados ne décrochent plus. C'est vrai. Le constat a été assez largement partagé, en tout cas pour les ados à partir de la quatrième, je dirais. Préférer échanger par SMS. Les SMS sont beaucoup plus fréquents. En France, on a beaucoup de forfaits avec des SMS illimités, donc c'est un petit échange très facile textuel. Ou si c'est téléphonique, ça sera plutôt par FaceTime, avec des conversations téléphoniques vidéo.
Moi, je le vois en tant que mère de famille, quand je veux joindre mon fils, il ne décroche jamais, ça c'est une certitude. Si je lui laisse un message vocal, je sais qu'il ne l'écoutera jamais. Donc, j'ai une stratégie maintenant où je me suis adaptée à leur pratique, c'est-à-dire que je lui envoie d'abord un texto, mais une fois sur deux, il ne répondra pas au texto, donc je me suis mise sur WhatsApp, et quand vraiment il ne répond pas, je lui envoie un snap. Et là, là, j'arrive à le piéger et à savoir à peu près où il est, ce qu'il fait. Toujours est-il que il faut à la fois s'adapter à leurs pratiques et surtout communiquer avec eux et garder le lien, ce qui est quand même essentiel. Alors Boris et Céline, vous êtes allés pour les besoins de l'enquête, vous êtes allés à la rencontre d'adolescents de tous âges et de tous milieux sociaux, de Paris jusqu'en région et partout. C'est un peu le même constat, c'est ce qui ressort dans un passage du livre, c'est que la grande perdante, c'est la lecture, que ce soit pour la littérature ou que ce soit pour la presse, la façon dont ils s'informent. On passe plus de temps à lire un bouquin, on passe plus de temps à lire les journaux, même si c'est du journal numérique, ils ne passent pas le temps de le faire. Et même sur la hiérarchisation, la façon dont ils hiérarchisent l'information, ils ont beaucoup de mal. Comment vous l'expliquez, Boris Menanti ? Je l'expliquerai par le fait que les réseaux sociaux sont chronophages, en fait. Être présent sur les réseaux sociaux, jouer de son image avec des codes qui varient d'un réseau social à l'autre, c'est hyper chronophage. Et on voit des courbes d'augmentation du temps passé sur les réseaux sociaux au fil de l'évolution de l'âge de l'adolescent. Et c'est sûr qu'il y a d'autres loisirs qui en pâtissent. La lecture en est un des premiers. Le soir, entre un livre de chevet et les réseaux sociaux, il y a les amis et où on peut paraître cool et du coup augmenter sa popularité, c'est peut-être plus attrayant d'aller sur les réseaux sociaux, c'est peut-être plus facile. Du coup, les médias en pâtissent peut-être un peu sur la lecture papier. Après, des Facebook ou des Twitter sont énormément vecteurs de liens vers des articles et les adolescents consultent beaucoup d'articles. Oui, mais c'est aussi la porte ouverte à quelques dérives sur des sites ou de désinformation politique ou C'est le risque. Ça, c'est sûr qu'il faut bien informer, mais il y a des modules prévu par l'Éducation nationale d'information là-dessus. Les enseignants apprennent aux élèves, c'est ce que vous mettez dans le livre, à justement. Notamment depuis les attentats. C'est vraiment. Ils parlent assez peu de cet objet téléphonique dont ils pourraient parler, notamment les enseignants en français, en histoire, en éducation civique. Mais il y a un sujet dont ils se sont saisis, c'est cet accès à l'information et à la nécessité de recouper l'information et de ne pas se contenter de liens Facebook qui peuvent les mener tout vers, ce qui est sur Internet n'est pas forcément vrai. Voilà, on leur apprend à chercher l'information et à vérifier l'information. Le réflexe, ils l'ont clairement lire un article et aller tout de suite sur Google vérifier l'info pour trouver d'autres articles. Après, c'est sûr que, par rapport à ce que vous disiez, il y a moins l'attachement à une marque média. On est moins le lecteur du Figaro ou le lecteur de l'Obs. C'est plus sur tel sujet, j'ai envie de m'informer. Média. Alors, l'autre constat qui est révélé par votre enquête, et en particulier dans le chapitre consacré à la drague avec son smartphone, parfois, ça dérape complètement. On est quand même sidéré quand on découvre qu'en gros, un adolescent, une adolescente, fille ou garçon d'ailleurs, 12, 13, 14, 15 ans à peine, aller sur Tinder, télécharger l'application, c'est hyper banal. Recevoir des images pornographiques parce qu'on s'est inscrit sur Tinder, c'est hyper banal. C'est dingue. Alors, ils en parlent, dans les témoignages que vous avez dans le bouquin, c'est « oui, on a déjà reçu des… je me suis inscrite sur Tinder, on est allé regarder, c'est juste pour s'amuser, hein, j'ai que 12 ans, mais j'ai déjà reçu des photos de sexe en érection, je les efface et je passe à autre chose ». Après, il y a quand même un degré de gravité différent entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que mon fils de 14 ans m'a dit hier « Maman, mince, il y a un Tinder pour adolescents qui vient de sortir, du coup ton livre est sorti, tu ne pourras pas en parler, c'est Yellow, c'est une nouvelle appli, c'est un Tinder rien que pour nous. Oui, il regarde, oui, il s'amuse, les filles font défiler des photos. Ça, moi, je dirais, c'est pas le plus grave parce que la vraie drague entre eux, elle est restée à l'ancienne et elle se fait comme on le faisait nous dans la cour de récré via des messages. Les par images dénudées, ça vient plus sur les réseaux sociaux, peut-être plus fermés. Un Snapchat, on ne discute qu'avec des gens qu'on a ajoutés et qui nous ont acceptés. Il y a une espèce de proximité, d'intime qui se met en place tout de suite par la construction du réseau social. Et du coup, ça entraîne beaucoup de drague. Et qui pousse à se dévoiler un petit peu. On est sur des images éphémères qui vont s'autodétruire. Mais dont on est capable de faire des captures. Et de les balancer après aux copains. C'est là le risque, évidemment.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou laisser faire? Vous parlez effectivement du flicage numérique auquel sont amenés à passer à l'action les parents. On est tenté effectivement d'aller regarder ce qui se passe dans le téléphone de nos enfants, et pourtant c'est une forme de violation de l'intimité des enfants de faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le parent, il est un peu coupé en deux. C'est-à-dire qu'il voit effectivement son enfant jouer des pouces toute la journée. Il a envie d'intervenir. Et je crois que Boris utilise souvent cette image, mais c'est un peu comme quand vous avez un enfant de 5 ans. Vous vous intéressez à ce qu'il fait, vous le suivez, vous lui posez des questions. Sur sa journée. Sur sa journée, vous communiquez. Ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, c'est de lire les messages de son enfant, parce que ça, c'est une violation d'intimité qu'aucun adulte ne supporterait, et les psys sont d'accord là-dessus. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser tout faire. C'est-à-dire, la principale chose à faire, c'est de l'enlever la nuit, parce qu'on sait que l'addiction, la nuit, elle va empiéter sur le sommeil, et ça, c'est pas possible. Donc, il faut en faire un objet de discussion, de conversation. Il faut le mettre au centre des discussions de famille, et justement, ne pas se transformer en flic. Or, on n'est pas aidé par un marché qui développe des applis de contrôle de leurs pratiques et des choses qui coupent les wifi. Vos enfants, en fait, c'est ça, savoir où ils sont allés, où ils sont. C'est jamais la solution. Nous, l'idée qu'il y a dans ce livre, c'est vraiment il faut entamer une discussion la plus régulière possible sur ces usages, sur ce que font les ados. D'ailleurs, les ados, en général, sont ravis d'en parler, d'expliquer. On cite l'exemple de Sper, qui est mis en place tous les jeudis soirs, ses soirées pizza avec ses enfants. où le thème de la soirée de la discussion, c'est qu'est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux et quelles ont été vos pratiques. Et là, il y a un échange qui se crée avec ces enfants de manière, en fait, toute simple et presque banale. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou, en fait. Il faut vraiment le mettre au centre des débats. Et que lui-même ait l'envie d'en discuter sans avoir l'impression d'être fliqué, quoi, ou d'être jugé. Quoi. Les adolescents que vous avez interrogés, est-ce qu'ils vous ont exprimé à un moment donné leurs inquiétudes ou leurs craintes quand eux-mêmes vont sur les réseaux sociaux? Moi, je ne dirais pas une crainte. Leur addiction eux-mêmes, est-ce qu'ils en ont conscience? Oui, très conscience. Ils en ont leur conscience. Addiction. Après, ils arrivent souvent à couper quand ils n'ont pas le choix, quand ils sont contraints par des vacances où on ne capte pas, par un problème du téléphone. On a l'exemple d'un ado où le téléphone a complètement buggé et il s'est bloqué pour... C'était écrit dessus, il y avait un décompte pour 25 ans. Là, c'est un peu la panique. Finalement, ils arrivent toujours à s'adapter. Donc, c'était dur dans les premiers jours. C'est dur dans les premiers jours. Après, sur la tablette ou l'ordinateur, on peut récupérer certains des messages. Il y a toujours des petites parades. Ils en ont conscience. Après, ils ne le voient pas comme une addiction profonde. Ils sont... Moi, j'ai ce sentiment-là, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent couper, s'arrêter. Après, il y a aussi de l'exemple des parents. Pas de portable à table, respectons-le déjà en tant que parents. Ouais. Après, les ados, suivons. Est-ce que vous diriez qu'en définitive, les adolescents hyper connectés aujourd'hui ou ceux à qui on reproche d'être trop greffés à leur smartphone sont des adolescents comme les autres? Est-ce qu'ils sont finalement comme nous, on a été nous-mêmes et que nos parents et arrière-grands-parents ont été quand ils étaient ados? Il y a deux choses, c'est que je trouve qu'il y a une facilité à leur renvoyer la balle. Or, les premiers à leur mettre le téléphone en main, ce sont les parents. Oui. Et qu'il y a une facilité pour les parents à ce que ces enfants aient ce téléphone et qu'on en a fait une espèce d'objet qui va avec l'autonomisation, ce qui n'est pas évident en soi. Et par rapport à ce que nous, on faisait, ils font la même chose, sauf qu'ils le font avec un objet, là où on le faisait avec 10. C'est-à-dire que ce téléphone, il remplace le Walkman, la chaîne Ifi, la télévision, la radio, certains médias, il remplace la console de jeu, il remplace le journal intime avec le cadenas, qui est remplacé par un pseudo. Ils ne sont pas si différents que nous, en fait. Il ne faut pas perdre de vue que c'est des adolescents. C'est des ados, voilà. Ma dernière petite question, c'est juste un petit clin d'œil. Vous citiez la télévision. Quel rapport entretiennent les ados avec cette bonne vieille télé? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est descendue, tombée de son piédestal, on va dire? Moi, je dirais complètement, puisqu'il y a YouTube aujourd'hui. On retrouve énormément d'émissions, énormément d'extraits. Les stars ne sont plus forcément les stars de la télé, mais les stars de YouTube, qu'on appelle les YouTubeurs. Je dis YouTube, mais n'importe quel
réseau de vidéos en soi. On veut regarder un film, on va sur des plateformes de streaming. On ne se préoccupe pas de ce qui passe à la télé à telle heure, avec telle publicité. Ils sont dans ce monde mondialisé qui est Internet. Et ils y ont accès sur ce petit écran. La télévision paraît un peu ringarde. Même la télé-réalité, par exemple, ils la regardent sur les applis de replay, donc sur le téléphone. Après, il y a un petit bémol, mais ça vaut pour certains milieux sociaux. Mais moi, en parlant avec les miens, je sais que, par exemple, leur messe quotidienne, c'est quotidien. Ouais. Et que quand je leur dis, mais vous voulez faire quoi dans la vie? En tout cas, le plus jeune qui a 10 ans, il me dit, je veux être Martin Veil. Et je lui dis, mais pourquoi? Tu veux être journaliste alors? Journaliste de quotidien avec Anne Barthès. Voilà. Et tu veux être journaliste alors? Il me dit, non, je veux être Martin Veil parce qu'il va à Washington, il va à Cuba, il va à Kaboul. Il est dans le monde entier, voilà. Donc il la regarde quand même, mais ils n'ont pas coupé complètement. Et pourquoi il la regarde? C'est parce que aussi ce genre d'émission, on réussit. Il y a quand même une séquence qui s'appelle la story. Ce genre d'émission arrive à leur parler avec leur code et leur code et leur langage. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions des internautes qui sont sur Facebook et qui nous regardent en ce moment. Donc, ils sont hyper nombreux à laisser des commentaires. Tout à l'heure, vous parliez effectivement de Facebook, qui est encore un peu consulté, mais qui ne fait plus partie, je crois, des applications stars, on va dire, auprès des adolescents. Quel est le trio de tête, on va dire ? Trio de tête. Il y a Snapchat tout en haut, ça c'est sûr. Instagram prend de plus en plus de poids. Après Facebook, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'ils ont quand même un compte Facebook, plus que pour Facebook, pour Messenger. Pour Messenger, ouais. Messenger reste hyper important. Qui est le qui est l'outil de discussion. Ouais. J'ai un petit problème technique qui fait que j'ai perdu les questions. Il y avait une jeune femme qui parlait des applications qui permettent aux parents de contrôler ce que font les adolescents et dans quelle mesure c'est efficace. Même si vous ne les recommandez pas spécialement, est-ce qu'il y a moyen de verrouiller d'une façon ou d'une autre? Il faut en user, mais pas en abuser. C'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs types d'applications, là encore. Il y a celles qui vous permettent d'avoir chaque semaine les grands volumes de consultations des différentes applications. Ça, c'est pas mal. Mm-hmm. Vous savez combien de temps votre enfant a passé sur Facebook, sur les jeux, sur les grandes masses, en fait. Donc, ça permet d'échanger avec lui, de dire, voilà, rends-toi compte. Cette semaine que... Voilà, ça, c'est pas mal. Après, de mettre un mouchard sur le téléphone et d'être trop interventionniste et... trop voyeur, personnellement, je trouve que ça dépend beaucoup de l'âge de l'ado. Ouais. C'est pas du tout pareil au début du collège et à la fin du lycée. Mm-hmm. Il y a un moment, l'adolescence se responsabilise et il faut le responsabiliser. Et on met pas du tout en place le même contrôle, et la même surveillance de ses activités quand il est tout jeune ou quand il est presque adulte. Vous parliez tout à l'heure d'autonomie et certains internautes y font référence. Les parents donnent effectivement le smartphone d'entrée de jeu à leurs enfants en prétextant que oui, ça sera une façon de créer le lien parce que je sens qu'il commence à partir, à s'éloigner de moi. Pour les parents, il y a une jeune femme qui fait référence au fait qu'elle avait des parents divorcés, donc c'était aussi une façon de créer un lien entre eux. Ça sert aussi à ça, le smartphone? En cas de séparation, on l'a observé, il y a plusieurs exemples, c'est qu'effectivement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on donne un téléphone aux enfants. Et on donne un téléphone aux enfants par facilité, pour se rassurer. Et pour le coup, voilà, c'est... Moi, je suis un peu, pas en colère contre les parents, mais je suis plus en colère contre les parents que contre les adolescents, parce que je trouve... Encore une fois, il y a une responsabilité du parent qui, à qui ça facilite beaucoup la vie, le téléphone de son enfant. Et voilà, il faut quand même reprendre sa responsabilité de parent à un moment. Il y a Jocelyne qui parle des différences de pratiques entre filles et garçons. Et les différences de pratiques, on citait tout à l'heure les régions dans lesquelles vous êtes allé, que ce soit Paris ou la province ou les régions, que ce soit dans des lycées type Louis-le-Grand ou dans des lycées en ZEP, anciennement ZEP. Il y a des différences dans les usages, les pratiques. C'est tout le sujet. Il n'y a aucune différence d'extérieur. Ils utilisent les mêmes applications avec les mêmes codes. Il y a des préférences plus par bahut que par sexe. On communique plus sur Messenger que sur WhatsApp ou inversement.
Là où on voit des différences, par contre, c'est typiquement, je reprends l'exemple des youtubeurs. Oui. Les youtubeurs ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction d'un lycée un peu bobo parisien, oui, et d'un lycée en ZEP, ex-ZEP, mmh, où on va peut-être prendre aussi un youtubeur qui nous ressemble. Si on prend du côté des filles, les youtubeuses beauté, oui, il faut qu'elles s'adressent aussi à un public. C'est sûr, on avait une jeune fille de Mantes-la-Jolie, oui, qui va plus regarder une autre jeune fille qui se défrise les cheveux de la même manière qu'elle. Qui fait des tutos perruques, mmh, qui fait des tutos maquillage, voilà, adaptés à la couleur de sa peau. Plutôt elle que la Enjoy Phoenix, qui est plus connue et qui est plus heureuse. Plus ado, on va dire. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, qui est quand même calquée sur le modèle de la blonde américaine, qui ne parle pas forcément à certaines filles de quartier et qu'elles n'idéalisent pas du tout, et elles ont raison de ne pas l'idéaliser d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, la sociologie revient effectivement dans les contenus plus que dans les applis et les usages, en fait. Mais ça veut dire que finalement, même au niveau des contenus, les contenus se sont adaptés aux envies, aux centres d'intérêt du public qui les regarde. Même au sein des ados, on peut imaginer que tout est homogène, en fait, absolument pas. C'est absolument diversifié. Bah, de même qu'on ne fait pas les mêmes sports en fonction des milieux sociaux, qu'on ne fait pas forcément du golf à la Courneuve et qu'on ne fait pas du... Voilà, c'est... En fait, après, la sociologie revient, mais dans le cadre des pratiques, des applications... Oui. Et dans ce qu'on filme et comment on le filme. Et voilà, et la surveillance numérique n'est pas la même non plus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci d'être venus au Figaro donc nous parler de votre enquête portable, La face cachée des ados, et c'est édité chez Flammarion Enquête. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.